En manchette, aujourd'hui, entente de principe intervenue entre le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone-Joliette et l'employeur. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 21 février. On vient tout juste de recevoir ce communiqué en provenance de la centrale, du Conseil central CSN, donc de Lanaudière. Une entente de principe est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi entre le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone de Joliette, affilié à la CSN, et l'employeur suite à un blitz intense de négociations. Les parties se sont engagées à recommander l'entente chacun de leur côté. La convention collective actuelle est échue depuis le 1er septembre 2023. Les parties se sont rencontrées à plus de 150 reprises depuis le début des pourparlers qui ont débuté au printemps dernier. Pour rappel, la partie syndicale s'était donné un mandat de grève le 4 septembre dernier en Assemblée générale par un vote favorable à 99%. Néanmoins, les partis ont pu éviter le recours à la grève ou au lock-out et ainsi éviter un conflit de travail en maintenant un dialogue tout au long de cette négociation de longue haleine. On tient à souligner le rôle majeur qu'a joué la mobilisation de l'ensemble de nos membres dans cette négociation. Merci de votre solidarité et de votre engagement. C'est grâce à vous qu'on y est arrivé, a mentionné André Corriveau, le président du syndicat local CSN. Le syndicat convoquera donc ses membres sous peu pour se prononcer sur le contenu de cette entente. D'ici là, la teneur de cette dernière demeurera confidentielle, nous mentionne-t-on. Plus de détails seront dévoilés après que les membres se soient prononcés sur cette entente. À propos, le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone-Joliette représente 1250 salariés. Il y a des gens de partout dans la Lanaudière et des municipalités environnantes, donc aussi beaucoup de la MRC de Dautré. Donc, 1250 salariés de production situés, de l'usine, pardon, pour la production située à Joliette. L'entreprise, on le rappelle, est spécialisée dans la confection de pneus. Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière CSN, qui compte plus de 320 syndicats affiliés, représentant environ 25 000 membres dans le domaine industriel québécois. Il est aussi affilié au Conseil central de Lanaudière CSN, qui, ce conseil, représente plus de 14 000 membres répartis au sein de 81 syndicats sur son territoire. Donc, bonne nouvelle au niveau économique. Bridgestone et le syndicat, il y a une entente. On vous invite maintenant à vous procurer un billet assez spécial, en effet. Tout le Québec aimait Guy Lafleur. Les gens de Berthier, du Grand Berthier, évidemment, sont parmi les privilégiés à l'avoir côtoyé du temps où il opérait le restaurant Mike's, avenue Gilles Villeneuve. Donc, pour une bonne cause, on vous invite à vous impliquer, tout en soutenant la recherche sur le cancer. Vous pourriez gagner une magnifique Buick Riviera Boat Trail 1971 aux couleurs des remparts de Québec. Il s'agit d'une auto unique hommage à Guy Lafleur, d'une valeur de 92 500 $, voiture identique à celle que le démon blond a eue en sa possession. Après son passage au salon de l'auto, voilà, ce petit bijou de voiture est maintenant exposé dans la salle de montre de ces GM Payé, avenue Gilles Villeneuve, à Berthierville. C'est possible d'y passer, de l'admirer. Pour participer à cette levée de fonds, il faut scanner le code QR qui apparaîtra dans le reportage qu'on vous présente dans quelques instants, ou encore vous rendre en ligne, prendre rendez-vous en ligne sur le site du CHUM, donc à Montréal,
les fonds Guy Lafleur, on va sur ce volet, pour acheter votre billet de tirage au coût de 150 $. On rappelle, les profits seront remis au fonds Guy Lafleur pour la recherche sur le cancer. On regarde un petit reportage que CTRB a préparé. Bonjour, M. Grenon, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous êtes en train de réfléchir dans votre auto si Guy sera à côté de vous en train de conduire? Exactement. On est avec une auto spéciale. Oui. Vous avez caressé un rêve, on pourrait dire, de reconstruire une auto que Guy Lafleur avait eue en cadeau. En 1971. C'est en honneur de quoi? Mais disons qu'il avait déjà signé avec les Canadiens de Montréal. Oui. Et donc, il jouait ses dernières parties avec les Remparts. Je crois que c'est la dernière partie de la Coupe du Président. OK. Et avant la partie, on dit au micro, bon, ben, ce soir, c'est une soirée spéciale en l'honneur de M. Lafleur, qui va nous quitter bientôt. Donc, on lui remet un petit cadeau. C'est un beau cadeau, ce genre de véhicule-là. Ben, oui, même à cette période-là, c'était quelque chose. Ben, c'était une des voitures les plus dispendieuses dans le GM. C'était vraiment la voiture la plus unique dans le GM avec la Corvette. Et ils ont ouvert, quand elle était présentée au public, et Guy, ils ont ouvert les portes où la Zamboni rentre. Et ils ont sorti la voiture, ils l'ont mis sur la glace, puis ils ont donné la voiture en cadeau avec la plaque qu'il avait fait faire avec son numéro de chandail. C'est spécial qu'il avait réussi à faire ça, parce qu'à l'époque, les plaques personnalisées, ça n'existait pas beaucoup. Il n'y en avait pas, non. Il y avait beaucoup d'impact. Cette auto-là, c'est une réplique parce que l'auto originale n'existe plus. C'est ça qu'on comprend. Non, c'est ça. Mais la retrouver ce modèle-là, c'est quand même une recherche. Là. On ne trouve pas ça à tous les coins de rue, ben, ce véhicule-là. Disons qu'ici au Québec, c'est très rare. C'est un modèle qui est très rare. Et la plupart ont été travaillés au niveau de la carrosserie parce que ça roulait à l'œil dans ces années-là. Et l'idéal, c'est de s'en procurer une aux États-Unis. Là. OK. On en a pris, en fin de compte, 4 voitures pour réaliser celle-là. Quand j'ai commencé à réaliser ce projet-là, je devais reproduire la voiture des Good Girls, qui était un groupe de musique rock des années 70. J'étais parti pour le faire, puis tout d'un coup, j'ai appris que Guy Lafleur avait eu cette voiture-là, de cette couleur-là et tout ça. J'ai dit, on va oublier le projet des Good Girls, puis on va reproduire la voiture de Guy. Et c'est comme ça que le projet s'est entamé. Et par la suite, disons que je voulais seulement présenter la voiture dans des expositions, faire un hommage à Guy. Des shows d'auto. C'est ça. Oh, les cafés rencontres, les expositions de voitures de collection, les week-ends. Et en cours de route, j'ai perdu ma petite sœur d'un cancer. Ah, mon Dieu. Et tout ça a fait que un matin, je me suis levé et j'ai dit, tiens, je vais offrir la voiture au fond de la porte. Pour ramasser des sous pour la recherche. Donc, présentement, il y a 2000 billets, c'est bien ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Qui sont en vente au coût de 150 $ du billet. C'est ça. Ça va être tiré au mois de mai, hein, c'est bien ça? Le 5 mai au Colisée à Québec. Comment ça fonctionne? Tous les profits de cette vente-là vont à la Fondation? Oui, c'est ça, les profits vont à la Fondation. C'est certain qu'on a eu beaucoup de dépenses en cours de route, la publicité et tout ça. Il y a un bon montant. Il y a un bon montant pour la recherche. Pour la Fondation. Je suis en compagnie d'Isabelle Soucy, c'est bien ça? Exact. Responsable des communications pour Payé Automobile. Vous avez une belle auto ici. Qu'est-ce qui a amené, pour ne pas dire le lien, le fait qu'on ait l'auto ici à Berthierville? On sait qu'on a un lien avec Guy Lafleur, Berthierville. Beaucoup de choses. Mais évidemment. C'était quoi l'objectif de l'amener ici à Berthierville? Premièrement, comme vous avez pu le constater, si vous circulez dans la concession, on est amoureux des voitures, puis il y a déjà quelques belles pièces qui sont exposées. Vous avez parlé de Guy Lafleur, évidemment, il a été très présent dans la communauté du temps où il était restaurateur, puis on sent vraiment l'attachement beaucoup des gens. Ça a été un homme qui est important. Puis, petite anecdote, c'est arrivé à l'occasion qu'il vienne laver sa voiture dans le garage les fins de semaine. Bien oui, hein! Donc, c'est sûr que nous aussi, là, chez Payé, on avait un attachement pour M. Lafleur. Puis, je vous dirais également que notre entreprise a joué d'une belle notoriété, d'une très bonne visibilité aussi. Puis, on aime se servir aussi de toute cette tribune-là pour pouvoir mettre de l'avant des causes. On aime s'impliquer, on aime être près des gens.
Donc, on voulait pouvoir se servir un petit peu de ça, notre notoriété aussi, pour remettre de l'avant la cause de la recherche sur le cancer. Est-ce que vous vendez des billets ici pour le tirage ou pour vraiment aller sur le site internet? Le site, mais je vous dirais que tous nos employés sont un peu au courant de comment ça se passe, surtout nos réceptionnistes aussi. Donc, vous ne vous gênez pas si vous venez à la réception. Eux, elles vont vous donner la bonne information, vous diriger directement sur le site en ligne. Puis, nous, on essaie de faire la promotion le plus possible aussi, mais c'est ouvert à tout le monde, là. Client, pas client, là, si vous désirez. Venez voir l'auto. Venez voir l'auto, ça nous fait plaisir. Donc, absolument de vous recevoir en concession. C'est une très belle initiative. Félicitations. Absolument. On est très fiers et on est très choyés. C'est quoi vos heures? C'est quand que les gens peuvent avoir la chance pour de être certain de pouvoir être accueillis par une réceptionniste, par servir un bon café aussi. C'est de 9h jusqu'à 7h en semaine et le vendredi, on ferme à 5h. À 5h. Un peu plus tôt. Que donc, vous invitez les gens à venir prendre une pause café, comment ça fait beau. Tout à fait. Les faire venir me voir ici puis venir voir l'auto. Oui, tout le monde ici est très sympathique, comme on peut le constater. Que... Pas de problème, mais je te remercie, Isabelle. Plaisir. Philanthropie Lanaudière, humaniste et généreuse, cherche à mettre en lumière des Lanaudois, des Lanaudoises qui se distinguent par ces mêmes sentiments de générosité propres aux philanthropes, des personnes qui aident à enrichir la qualité de vie de leur communauté, à inspirer le geste du don auprès de la communauté dans un contexte de développement durable et de legs aux générations futures. Des leaders dans le domaine de la philanthropie régionale lanaudoise et ou par leur leadership public et par leur influence sociopolitique ou au niveau d'organisation régionale. Vous connaissez ce genre de personnes? Eh bien, c'est la période de mise en candidature qui, elle, se terminera le 30 avril prochain. Vous pouvez aller sur le site web de Philanthropie Lanaudière à l'onglet « Grand prix de la philanthropie » pour inscrire votre candidat. Les nommés seront connus le 20 juin lors de l'Assemblée générale annuelle de Philanthropie Lanaudière. Un prix reconnaissance leur sera remis par les ambassadeurs de Philanthropie Lanaudière. Autre sujet, la garde côtière canadienne commencera ses opérations de déglaçage printanier sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec, le 26 février prochain, en matinée. Ces activités pourraient débuter plus tôt en raison du risque accru de décrochage de la banquise côtière causée par le redoux. Le déglaçage se poursuivra par la suite sur plusieurs cours d'eau, rivières et embouchures au Québec. Les opérations annuelles sur le Saint-Laurent, dont celles effectuées près du lac Saint-Pierre, ont pour but de briser la banquise côtière en de petites plaques, évitant ainsi que des blocs de glace de forte taille dérivent et bloquent le chenail de navigation. En ce qui concerne les opérations de déglaçage menées sur les plus petites rivières, elles ont pour but de dégager l'entrée des affluents et ainsi prévenir les embâcles et les inondations subséquentes pouvant se produire lors du dégel printanier. Ce type de déglaçage est effectué par les aéroglisseurs de la garde côtière canadienne. On parle du NGCC Mamilosa ou le NGCC Sipunium. Ces véhicules à coussin d'air, dont le moteur fait un bruit similaire à celui d'un aéronef. Oui. La garde côtière canadienne rappelle au public qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace du Saint-Laurent et lui suggère de prendre connaissance des informations sur leur site. À titre de rappel, il est également toujours dangereux de s'aventurer sur la glace lorsque des brise-glaces, des aéroglisseurs ou tout autre navire sont dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires, même longtemps après leur passage. Il est conseillé aux personnes qui ont laissé des installations du matériel sur la glace, de les rapporter à terre, et ce, dès que possible. Un petit point maintenant, les 24 et 25 février, ça sera la fête des semences dans Lanaudière. Ça se déroulera à Saint-Jean-Matha. Il y aura exposition de tableaux et sculptures d'artistes du Québec, des conférences. Il y aura évidemment des conférences sur le véganisme,
sur l'amélioration des semences dans la région, sur les aliments fermentés. On parlera aussi de démystifier l'arrosage. Ce sera le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 16h. On parlera de culture et de mise à marché, de comestibles en complément à des arbres à noix, de vertus médicinales des plantes aromatiques, et des insectes. Évidemment, les plantes qui abritent ces insectes et leur utilité. Donc, à suivre, les 24-25 février, la fête des semences à Saint-Jean-de-Matha. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 21 février, le Centre d'action bénévole d'Autrey désire souhaiter bonne fête à Jude Boyer et à Gaston Reeves. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 février. Bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Vendredi 23 février prochain à 19h30, place à la veillée de chansons traditionnelles du crapaud. Ces veillées de chansons traditionnelles au crapaud. Ces soirées s'adressent à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent venir en pousser une ou simplement répondre aux chansons. Dans une atmosphère conviviale et festive, la seule règle est d'avoir du plaisir. Les veillées de chansons sont co-animées par Kevin Nadeau et Élie Benjamin. Des billets sont disponibles à la porte de l'établissement en paiement comptant. L'entrée est gratuite pour les membres du crapaud et les résidents de Saint-Félix de Valois. On a un petit extrait. Donne le goût d'en pousser une. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitiémoitié.tv. Chaque semaine, deux façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitiémoitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitiémoitié.tv. Les tirages mercredi 19h.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 10 février à 70 ans. Est décédé M. Denis Rouleau, fils de feu Viateur Rouleau et de feu Carmel Coutu, demeurant à Joliette, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé sa sœur Sylvie, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. René Rouleau, Marie-Claude Leblanc, Jean Rouleau, Chantal Tremblay, Diane Rouleau, Marie Rouleau, Hélène Rouleau, Michel Simard, Ginette Rouleau, Pierrette Rouleau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Rouleau ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité. M. Denis Rouleau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au centre d'hébergement du Champlain, cette fois à Berthier, le 30 janvier, à 97 ans, est décédée Mme Françoise Bérard, épouse de feu Lemaire Piette, fille de feu Rodolphe Bérard et de feu Exilia Bastien, demeurant à Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Christian Piette, Claudine Lambert, Hélène Piette, Guy Dubuc, Sylvie Piette, Jacques-Émile Cardin. Elle laisse aussi un grand vide dans le cœur de ses petits-enfants, Justin et Benjamin L. Piette, Amélie et Vincent Des, Jean-Michel et Élise Cardin. Ses arrière-petits-enfants, Laurie Théo, Louis, Florence, Béatrice, Clara et Rosalie. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur, Thérèse Vanasse, feu Bernard Bérard. La famille tient à exprimer sa gratitude pour les soins de grande qualité prodigués par le personnel soignant du deuxième étage, au château. La famille vous accueillera samedi 24 février dès 11h au complexe funéraire Eftério, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Françoise Bérard-Piette sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 14 janvier, à 88 ans, est décédée Mme Odile Drainville, épouse de feu Gilles Poulette et mère de feu René Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean Davila, Céline, Agathe, Claude, Clémence, Pierre et Daniel, ainsi que Normand et André Poulette. Elle laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Drainville, France Parent, Monique Belle-Rose, feu Pierre Drainville, Alain Drainville, Denis Drainville, Claire Turcotte, Françoise Poulette, Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul-Aimé Ladouceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, sa filleule Julie Bellumeur, ses filleuls Sylvain Poulette et Richard Drainville, ses grands amis Jacqueline et Bertrand Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 février, midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15h. Madame Drainville sera inhumée à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 février, à 86 ans, est décédé M. Réal Hainaut, époux d'Hélène de Grandpré, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé Florian et Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants. Richard Hainaut, Sophie Robert, Pierre Hainaut, Sylvie Carrier, Jocelyn Hainaut, Chantal Murray, Chantal Hainaut, Stéphane Plante, Patrick Hainaut, Cathy Scarpino, ses petits-enfants, Amélie, Carole-Anne Leblanc, Fanny, Yannick, Mélissa Dauphin, Pierre-Alexandre, Hugo, Elissa, Carl, Daphné Simard, Olivier, Jade, Zachary, Blanche, Marie-Lie, ses arrière-petits-enfants, Elliot, Emma, Éloïc, Brianna et Léane, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Poliquin, Monique Hainaut, Yvon Hainaut, Francine Rousseau, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Gisèle de Grandpré, feu Lucien Arnois, Germain Aubin, feu Estelle de Grandpré,
Pierre-Paul de Grandpré, Solange Bélanger, Normand de Grandpré, Marie-Soleil Rivet, Jacinthe de Grandpré, Serge Boulard, Pauline de Grandpré, Serge de Grandpré, Huguette Loyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 février, 11h, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu au salon à 15h. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrampe, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrampe et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles. Nadia Destrampe, Claude Houle, Annie Destrampe, Patrick Jaudoin, Julie Destrampe, Zolt Bacconi, ses petits-enfants, Marc Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Maurice Destrampe, Aline Destrampe, Marcel Dubois, Nicole Destrampe, André Pichette, Clément Destrampe, feu Louis Destrampe, Claude Lacombe, Muriel Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars, 9h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, à 14h, en l'église de Berthier. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 12 février, à 64 ans, est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas, natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre-Hugues Laporte, Jeannie Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathalie Laforêt, Dominique Laporte, Yannick Adam, ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle, Laurence, Étienne, Émile et Olivier, sa mère, Mme Carmen Thériault, feu Gérard Laporte, ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son ami de cœur, Jeannine Ferland, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs amis, parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars dès 11h à l'église de l'Île-du-Pas, située au 121 rue de l'église, et un hommage à la vie suivra à 15h en ce même lieu. M. Laporte sera inhumé au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Sur ce, passons à la pause. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6, moins 1 cm de neige. Jeudi matin, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5, moins de 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera de la neige fondante, une température de 3, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie et moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera du grésil, une température de 1, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo.